Oui, avec Jean-Guy Chassin, le président de la Fédération française de tennis. Président, on imagine que vous êtes ce soir un président particulièrement heureux après cette victoire 3-0 tout à l'heure contre la République tchèque. Absolument, c'est formidable pour le tennis français. D'abord pour les joueurs, c'est formidable. Pour le président aussi et pour l'entraîneur, pour le capitaine Arnaud Clément. C'est des moments merveilleux pour tout cela parce qu'une finale, c'est difficile. Nous, personnellement, on y était il y a 4-5 ans contre la Serbie, on avait perdu. J'espère que la prochaine finale, nous remporterons le titre, car c'est une équipe qui mérite, notre équipe de France mérite de remporter un titre, car ils sont solidaires, ils ont des valeurs, ils sont amis, ils sont respectueux entre eux, ils veulent tous, et c'est le but de la saison, gagner la Coupe Davis. J'espère pour eux et pour nous, bien sûr, que ça se concrétisera. Comment vous l'avez vécu ce week-end particulier, qui plus est en plus à Roland-Garros? C'était Roland-Garros, c'est merveilleux. C'est une autre ambiance, tout à fait une autre ambiance par rapport aux internationaux de Roland-Garros. Là, c'est les aficionados, les amoureux de l'équipe de France, les amoureux de tous ces joueurs qui portent le coq sur leur cœur. Et c'est des moments, sublimes, ces moments que toutes les personnes s'en rappelleront, et comme les joueurs, ils se rappelleront de ces grands moments. Alors vous faisiez référence à la Serbie, maintenant il va falloir aller chercher cette victoire en Coupe Davis. Ce sera soit contre la Suisse, soit contre l'Italie. Si c'est la Suisse, ce sera en France. Le projet de Lille, de ce stade, de cette salle, où il en est, qu'est-ce que vous pensez? Nous avons lundi, nous avons une réunion pour nous étudions toutes les propositions qui ont été faites. Il y a Lille, bien sûr, qui a fait acte de candidature. Il y a d'autres également dans d'autres villes. On va se réunir lundi matin, on va en parler également aux joueurs, parce que ce sont les joueurs. Également, nous allons parler de la surface que les joueurs vont choisir en fonction, bien sûr, du résultat de notre demi-finale. Et puis, on choisira notre âme et conscience. Mais je veux que ça soit un grand moment de sport, que ça soit la grande fête de tennis pendant le mois de fin novembre. Mais voilà, on l'espère aussi, hein, que ce sera la grande fête de cette équipe de France et qu'elle remportera cette Coupe Davis.